gouvernement Sama Lukonde, quel regard pour le peuple autochtone? Ce peuple demande aussi sa représentativité ou sa représentation dans ce gouvernement. C'est avec Faustin Chamba, il est président national de la Voix des Autochtones du Congo. Avec lui, on va essayer un peu d'en débattre. Il veut aussi se retrouver dans le gouvernement Sama Lukonde. Alors, le FCC a-t-il cautionné l'investiture du gouvernement Sama Lukonde? Ça sera notre troisième invité. Lui, c'est monsieur ou le député national André Tambwe. Maïn Dombé, est-ce que Maïn Dombé est-il victime de la décentralisation? Quelle politique mettre en œuvre pour que le Maïn Dombé puisse se développer? Voilà, c'est avec monsieur Jean-Claude Longo, il sera notre deuxième invité. Lui, il est notable de la province, il est aussi le premier suppléant de Castro Bamboka. Vous savez que ce notable a été accusé par plusieurs ressortissants de Maïn Dombé que depuis qu'il est là en tant qu'élu, il ne fait absolument rien pour cette province. Une province où il y a beaucoup de conflits au niveau de l'exécutif provincial et dans beaucoup de domaines. Nous allons parler avec monsieur Jean-Claude Longo. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct. 18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la RDC. Alors, Bedrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bedrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Échange ce jeudi entre le président de la République et président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, et Charles Michel, président du Conseil européen à la Cité de l'Union africaine. L'inauguration de deux bateaux construits à Kinshasa avec le financement de l'UE a dominé les discussions entre les deux hommes. Les membres du gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde vont participer à la première réunion du Conseil des ministres qui se tiendra ce vendredi 30 avril 2021 à la Cité de l'Union africaine. C'est ce qu'indique le message adressé à tous les membres de son équipe ce jeudi par Jean-Albert Ekumbaki, secrétaire général du gouvernement. Présentation des 80 présumés bandits en main armée, communément appelés Kuluna, qui ont terrorisé la population de la province de l'Équateur. Ces derniers temps, ils ont été appréhendés par la police et le gouverneur de province Bobo Boloko qui a officiellement présenté ces bandits. Après jugement, ils iront séjourner à la prison d'Angenga. Au Tchad, une mission de médiation de l'Union africaine est attendue ce jeudi à N'Djamena pour y rester pendant 10 jours, conduite par deux personnalités de premier plan, Bankole Adeoye, le nouveau commissaire de la paix et des sécurités, et Mohamed Idriss Farah, l'ambassadeur djiboutien qui préside actuellement le Conseil de paix et sécurité de cet organe. Cette mission a pour objectif de favoriser le dialogue entre le Conseil militaire de transition et les forces politiques. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans l'édition du soir par Gaëtan Koubabourandi. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci. Merci à vous, Bedrine Kenge. Le rendez-vous est prêt et pris dans moins d'une heure. Tout de suite, Monsieur Faustin Chamba. Monsieur Faustin Chamba, lui, il est le président d'une structure, président national des Voix des Autochtones du Congo. Il est issu du peuple autochtone. Il veut aussi que ce peuple soit représenté dans le gouvernement Sama Lukonde. C'est tout de suite. Hein. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt.
Quel regard pour le peuple autochtone dans le gouvernement Sama Lukonde? Monsieur Faustin Chamba, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes président national des voix des autochtones du Congo. C'est en cette qualité que nous vous recevons, d'ailleurs. Vous voulez aussi une part dans le gouvernement de Sama Lukonde. Oui, et je voudrais d'abord commencer par définir ce qu'on appelle voix des autochtones du Congo. C'est une nouvelle structure politique qui s'occupe des peuples autochtones. C'est-à-dire, les peuples autochtones sont organisés bien avant, bien entendu, par dans la société civile. Nous avons plusieurs plateformes et ONG, organisation de la société civile. Mais avec la table ronde que les peuples autochtones ont fait en 2014 avec les partenaires, ils ont trouvé que pour qu'ils se retrouvent aussi dans la gestion du pays, il faut qu'ils puissent avoir une structure politique. C'est comme ça que nous avons mis en place une structure politique qui est un parti politique en gestation, peut-être d'ici là, pour faire le suivi de toutes les propositions en rapport avec les peuples autochtones. Et en rapport avec les regards que nous avons sur les gouvernements, nous avons un regard positif. Nous avons... Mais vous ne vous retrouvez pas. Oui, nous avons d'abord salué, en général, comme tout Congolais, les gouvernements des warriors. Comme on l'appelle. Des guerriers, oui, des combattants. Bien sûr. Mais nous avons seulement effectué quelque chose. Nous avons regret de ce là parce que nous ne sommes pas retrouvés. Et le chef de l'État, dans son investiture, depuis qu'il a pris le pouvoir, il s'est dit, je vais lutter contre toute forme de discrimination. Et nous avons salué, nous les soutenons, nous l'avons soutenu même pendant qu'il était dans l'opposition. Et nous, jusque-là, nous avons bien sûr l'espoir que les choses vont aller. Mais nous ne sommes pas retrouvés jusque-là. Est-ce que vous vous sentez discriminé en RDC? On se sent discriminé. Discriminé. Bien sûr, mais comment ça? Mais il y a même au niveau du Parlement une loi qui a été votée. C'est suffisant. Cela montre que vous êtes considéré ici. Oui, et cela, ce sont des avancées que nous devons nécessairement saluer. Parce que tous les gouvernements qui se sont succédés, tous les régimes, se sont succédés dans notre pays. Depuis que nous avons accédé à notre indépendance, les peuples autochtones étaient toujours mis à l'écart, oubliés. Mais du moins, pendant l'époque de Mobutu, il a essayé de reconnaître les peuples autochtones en les intégrant dans ce qu'on a appelé division Kamanyola. C'était le bataillon militaire qui a remporté même des victoires, qui a donné même le nom des stades, aujourd'hui stade de martyrs, stade Kamanyola. C'était pour reconnaître les victoires des peuples autochtones. Mais depuis là, tous les autres régimes ont mis dans les oubliettes les peuples autochtones. Mais maintenant, avec l'avènement de Fatshi, nous l'avons salué depuis son investiture. Il a pris en main la question des autochtones. Et nous avons vu certaines autorités du pays par rapport à la loi qui avait traîné plus de 10 ans sans être votée. Ils ont promis que la loi va passer. Et nous étions dans l'Assemblée. On a salué vraiment ce que nos députés ont fait. Ils ont montré que maintenant, ils commencent à prendre conscience de notre pays, disons, pour la promotion de tout le monde. La loi passée, nous saluons cela. Mais notre pays ne souffre pas des lois, M. David. Mais ce sont les mesures d'application qui doivent accompagner cette loi-là. Donc, raison pour laquelle nous disons que c'est déjà une bonne chose, mais on doit maintenant voir quand même une mise en application, c'est-à-dire l'intégration, parce que la loi ne parle que la reconnaissance de la dignité des peuples autochtones en tant que premier citoyen de la RDC, mais aussi il faut les intégrer dans les organes de prise de décision, parce que nous méritons cela. C'est ça. Voilà, et vous méritez cela. Le gouvernement a été publié. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez certainement vous retrouver en RDC, parce que vous n'êtes pas au niveau des institutions, des décisions. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle vous êtes là, vous voulez que votre voix soit entendue. Bien sûr. Je voudrais que je puisse vous lire l'article 51 de la Constitution de la RDC qui dit ceci. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays.
Il assure également la protection et la promotion. Il assure la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Donc ici, nous en appelons à l'État congolais d'assurer la protection et la promotion des peuples autochtones dits pygmées de la RDC. Nous sommes répartis dans 22 provinces à travers le pays. 22 provinces. Bien sûr, nous sommes minorisés. Minorisés. Nous ne sommes pas minoritaires, mais on est minorisés. Et la RDC est composée, bien sûr, M. David, avec 4 groupes ethniques. Normalement, il y a les Bantous qui viennent en première position. Il y a les peuples autochtones appelés pygmées. Et il y a les Nilotiques, il y a les Soudanais. Mais les peuples autochtones, depuis que nous avons accédé à notre indépendance, ne se retrouvent pas. Alors que nous avons des spécialistes en plusieurs matières, en plusieurs domaines dans ces pays, mais ils ne parviennent pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous, moi personnellement, je vous dis que je suis cadre de l'IDPS aussi. Je suis conseiller spécial d'Augustin Kabuya, que je salue aujourd'hui. Oui. Donc, ce n'était pas un cadeau qu'il m'avait donné. C'est par rapport au combat que nous avons mené dans le parti depuis, disons, l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Nil, si vous posez la question, peut-être, disons, au cadre de l'IDPS, personne ne peut nier cela. Nous avons montré de quoi nous sommes capables. Le président me connaît personnellement, je dirais. Mais depuis qu'il vous a rencontré aussi. Mais depuis qu'il est au pouvoir. Dans des consultations, vous êtes allé, pourquoi? Nous n'avons pas été alignés. Aligné, est-ce que vous étiez prêt pour être reçu par le président de la République? On était prêt, on a parlé avec ceux qui étaient dans les comités d'organisation, mais nous avons trouvé que, disons, la voie n'était pas tellement ouverte. C'est ça le problème. Donc, nous ne pouvons pas rester dans les discours quand même. Nous avons tous milité pour que nous puissions parvenir au pouvoir. Et nous avons des capacités, nous avons des amis qui sont à la présidence aujourd'hui. Des amis autochtones? Non, pas autochtones. Je parle dans le cadre du parti. Avec qui on siégeait, on discutait, on faisait des analyses pour que nous puissions parvenir là où nous sommes. Mais je ne sais pas si c'est parce que nous sommes autochtones que nous sommes toujours oubliés. Raison pour laquelle je me dis non. Il est temps que les chefs de l'État qui puissent nous recevoir, parce que nous constituons vraiment une force non négligeable qui peut faire bouger ces pays. Monsieur David, à tout moment que je me retrouve dans des milliers, peut-être avec le temps, vous allez voir quelques images, quand nous partons dans des villages des autochtones, ils nous disent ceci, nous sommes les premiers occupants de ces pays. Et à tout moment, quand nous pleurons dans la forêt, nous essuyons nos larmes avec les feuilles d'arbre. Et nos larmes restent un peu suspendues. Et quand la pluie tombe, nos larmes sont déversées dans le sol et ça maudit nos sols. Ça maudit. Mais qui va essuyer ces larmes-là? Aujourd'hui, nous sommes aux côtés du chef de l'État pour que nos frères puissent aussi appuyer le chef de l'État en masse parce qu'ils ont déjà montré la volonté. Ils doivent trouver que nous qui sommes là, nous nous retrouvons quand même. Mais si on ne se retrouve pas, comment les autres qui sont un peu éloignés peuvent se rapprocher de nous et du chef de l'État? Donc, voilà, nous ne voulons pas rester dans les discours, nous voulons que les choses puissent aller de l'avant. Nous ne sommes pas dans le gouvernement, mais les mandataires sont là. Nous devons aussi nous retrouver, c'est ça le problème. Donc, voilà. Voilà, merci beaucoup. Je pense que votre appel a été entendu et espérons que ça sera fait et que d'ici là, vous allez certainement vous retrouver. Merci. Ouais, merci. Oui, merci. Mais toutefois, pour terminer, je demande à rencontrer... que les peuples autochtones rencontrent les chefs de l'État dans un laps de temps. Alors, parce que nous avons des choses à lui dire pour l'émergence de ces pays. Voilà, merci beaucoup. Le chef d'État, je pense, il vous a entendu, ou ses services, et il va certainement vous faciliter la tâche. Tout de suite, on va parler de Maïndombé avec M. Jean-Claude Longo.
la province de Maïndombé, quelle solution pour son désenclavement? Et aussi, est-ce que cette province est-elle victime de la décentralisation? Qu'est-ce qui se passe au sein de l'exécutif de cette province? Qu'est-ce que Castro Bambouka a fait pour l'émergence de cette province? Monsieur Jean-Claude Longo, bienvenue. Bienvenue, monsieur Jean-David. Voilà, merci surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu. Pour parler de la situation au niveau des Maïndombé, il y a un problème au niveau des Maïndombé. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maïndombé n'était pas prêt pour vivre la décentralisation? Vous n'allez pas singulariser en disant qu'il y a les problèmes seulement dans le Maïndombé. Je pense qu'ils sont partout ailleurs. Oui, c'est vrai, il y a des petits problèmes. Je dis bien des petits problèmes dans les Maïndombé et qui peuvent être solutionnés. Donc, dire que le Maïndombé n'était pas prêt pour la décentralisation, je dirais que c'est faux, puisque quand nous étions dans les grands Bandundu, effectivement, je peux dire qu'on se sentait marginalisé. C'était une occasion pour nous de prendre les choses en main et aller de l'avant. Nous sommes en train de nous battre. Le problème est que le mal était tellement profond. C'est pas par baguette magique qu'on peut aujourd'hui voir son développement. Mais les jalons ont été jetés. Je salue le gouverneur Gentiling Obila en passant, qui, durant son mandat, a posé les jalons pour que au moins le Maïndombé décolle. Bon, malheureusement, aujourd'hui, ceux qui sont arrivés après lui, ils sont en train de tâtonner, mais nous leur accordons la chance pour que cette province décolle. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe là, au niveau de l'exécutif? Tantôt, le gouverneur suspend celui qui est chargé de la police, le commissaire provincial. Et il suspend aussi le bourgmestre. Il y a vraiment l'imbroglio depuis sa réhabilitation. On a même suivi ces bourgmestres venir ici sur Télé 50 dénoncer la manière d'agir du gouverneur. Bon, je ne vais pas trop me plonger dans ce discours-là, mais je vous dirai pourquoi on parle de réhabilitation. Ben, est-ce que a-t-il été évincé par quelqu'un pour qu'il soit aujourd'hui réhabilité? C'est sûr que c'est lui-même qui avait démissionné. Bon, voilà, il est revenu puisque le président de la République n'avait pas pris acte de sa démission. Ben voilà, quand quelqu'un démissionne, je peux comprendre qu'il s'est senti pas à mesure d'aller de l'avant. Ben voilà, c'est peut-être qu'il subissait des pressions des autorités de l'époque. Ben aujourd'hui, avec la démocratie, avec l'arrivée de l'Union sacrée pour la nation, nous pensons qu'il fera librement son travail et nous lui souhaitons bonne chance. Mais tout ce que nous entendons de suspension par-ci, par-là, eh ben, c'est un spectacle désolant tout simplement. Il est où le gouverneur? Ah ben ça je ne sais pas, je ne sais pas vous dire où il est. Mais vous me dites qu'il a fouillé la province, il n'est plus en province. Dire qu'il a fouillé la province, c'est très fort. Il a créé une situation ingérable pour lui-même et puis il ne s'est fait plus voir. Bon, je ne suis pas son porte-parole, il a un porte-parole, le gouvernement provincial a un porte-parole, je crois que celui-là peut bien vous dire où il est. Voilà, mais il y a aussi de notables à l'instar, ou des élus à l'instar de Castro Bambouka. Castro Bambouka, on lui a reproché un certain laxisme, c'est que si la province n'a pas décollé, si la province ne se retrouve pas, il y a aussi une part des responsabilités de Castro Bambouka. Oui, mais à quel niveau vous situez cette part des responsabilités? Au niveau, par exemple, du social, au niveau aussi des infrastructures, il ne s'implique presque pas. Depuis qu'il est là, il ne parvient pas à parler, à lever la voix pour Maïndombé. Oui, mais je crois que c'est à peine que vous connaissez l'honorable Castro Bambouka, mais pour votre information, je vous dis qu'il a été deux fois élu au niveau national, député national et ministre de la recherche scientifique sous le gouvernement Badibanga. C'est lui-là, ses œuvres, tant politiques que personnelles, ne sont pas fouillées. Quand vous allez à Kiri, vous n'allez pas chercher les œuvres de l'honorable Bambouka. Pour votre information, c'est lui qui a apporté pour la première fois que Kiri connaisse un pont en béton ou des ponts métalliques. C'est grâce au lobbying de ce monsieur là-bas. Comment allez-vous dire que celui-là ne s'est pas impliqué? Aujourd'hui, il est allé travailler à la province. Je crois que si la province ou les députés provinciaux qui sont là peuvent profiter de l'aura qu'a ce monsieur, de son expertise, de son expérience, qu'il a toujours mis à la disposition de la province, ce sera une bonne chose. Il est député simple,
encore que ses collègues l'écoutent. Et mais ses détracteurs disent que jusque-là, depuis qu'il est là, Castro Bamboka, il est là que de nom, tout simplement, mais par rapport aux faits, il ne se retrouve presque pas. Je vous dis, le chien aboie et la caravane passe. Parlez de M. Bamboka, vous parlez bien de détracteurs. Mmh. Oui, ils sont bel et bien détracteurs. Mais ces messieurs, on parle du développement de Maïndombe. Ce sont ces détracteurs qui voient ce qui se passe là. Ah ben oui, vous dites bien détracteurs. Mmh. Puisqu'ils sont en train de se masturber tout simplement les cerveaux, ils ne disent pas la vérité. Mais nous nous disons, res non verba. Mmh. Il faut des actions et non des simples paroles. Okay. Je vous dis, ces actions ne sont pas cherchées. À titre personnel, pas politique. Mais c'est un messieurs qui continue à faciliter les transports fluviales. Il a commencé par des baleinières. Aujourd'hui, il a une unité, un bateau, Mbeyembelokele. Vous savez, tout le temps, sur les lacs Maïndombe, il y a des accidents. Mais il dit, avec mes maigres moyens, je construis un bateau qui navigue là-bas. Ça aussi, je crois que ses détracteurs n'ont pas évoqué. Il a sa petite scierie mobile, et avec ça, il exploite le bois, tout ça là, et ça aide la population. Là non plus, ses détracteurs ne l'ont pas évoqué. Par son lobbying, aujourd'hui, on a... le pylône le plus haut, orange, construit par Elios Akir, qui n'avait pas de communication et qui a eu à voir la communication pour la première fois grâce aux efforts, excusez-moi, du DG des groupes services que je salue et félicite en passant, M. André Bolouka. Kassou l'a accompagné. Aujourd'hui, nous avons le pylône le plus long, plus de 55 mètres à Akir. Mais c'est le lobbying de M. Bamboka. Concernant les routes et les infrastructures de base, monsieur, il a, par son lobbying, obtenu à travers l'ONG IFEC un projet qui devait être financé à 2 millions. 2 millions de dollars. Mais jusque là, il n'y a que 25% qui ont été décaissés pour le financement. Est-ce que vous voulez qu'avec le 25%, qu'on puisse continuer, qu'on puisse faire les travaux de 100%? Effectivement, les détracteurs ne s'étaient pas arrêtés, ils avaient informé... Et que celui qui soutiendrait... le gouverneur de Maïndombe, qui jusque-là a des problèmes avec ses administrés. Il les soutient. Quel soutien? Il est député provincial, il est de l'exécutif. Oui, mais n'oubliez pas qu'il est notable, non? Il est notable. Bon, je ne passe pas ici pour vous évoquer les relations en dents de scie qu'il y a autrefois entre l'honorable Bamboka et le gouverneur. Qui malheureusement aujourd'hui est revenu à la raison. Il a compris que ce que Bamboka lui disait avait la peine. Et bien voilà, s'il avait bien suivi depuis longtemps, je crois qu'il ne serait pas arrivé là où il est. En tout en bon prophète, je crois qu'il est mal compris par les gens de son temps. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que cette province puisse décoller? Parce que contrairement aux autres provinces, on sent que Maïndombe est à la queue de certaines provinces. Bon, la queue, je ne partage pas cet avis. Sauf que, effectivement, comme on a dit tantôt, le gouvernement ou le régime passé n'ont pas donné suffisamment de moyens pour le désenclavement de cette province. Je vais vous dire, quand un projet qui devait être financé à 100%, on ne donne que 25%. Ben, vous voyez, on ne peut pas faire grand-chose. Les projets qui étaient bien financés étaient celui de cantonnage manuel, principalement pour les comptes du territoire de Kiri, dont j'ai la connaissance effectivement, l'ONG d'IFEC qu'on a eu à critiquer de manière acerbe ici, qu'on a traité de ONG défabriquée. Ben, excusez monsieur Jean-David, quand un juriste peut passer dire que ONG défabriquée alors que cette ONG d'IFEC a la personnalité juridique, ça c'est manquer du respect envers la justice de notre pays. IFEC c'est une ONG légalement constituée et qui a prouvé de quoi elle est capable en désenclavant Kiri par les cantonnages manuels. Au moment où je vous parle, l'Office des routes doit 11 mois d'arriéré à l'ONG d'IFEC. Mais l'honorable Bamboka ne doit au cantonnier que 3 mois. Donc vous voyez qu'il y a une différence de 8 mois. Ça veut dire quoi? Lui préfinançait ces travaux-là par sa propre poche, par ses propres moyens, en attendant que l'Office des routes, à travers Foner, paye. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça fait 11 mois. Mais ces détracteurs, qui le voient aujourd'hui toucher les arriérés, ils disent que non, ben voilà, ils continuent. Mais ce sont des arriérés. Alors, des travaux qui ont déjà été réalisés
et que lui a déjà payé, et aujourd'hui il les touche, c'est tout à fait normal. Et bien, j'ai dit, bien, mes chers détracteurs, je vous salue, changez un peu d'esprit, c'est comme ça que nous allons développer Maïndoma, ouais, et non dans la haine. Ouais, voilà, et non dans la haine, la politique pour désenclaver, pour terminer. Oui, la politique est pour désenclaver, je crois que nous avons le boulevard naturel qui est l'eau, nous avons des rivières, mais étant dans la cuvette centrale, nos routes posent problème. Je demande au gouvernement central de mettre beaucoup plus de moyens, de financer le projet RR, qui n'a été de reprendre le financement du projet RR, qui n'a été financé qu'à 25%, pour que, du côté Kir, bien entendu, on soit relié à l'Équateur, et à partir de Mongata ici, on peut arriver jusqu'au territoire de Koutou, Koutou, Oshoué, Oshoué jusqu'au territoire de Kir. C'est dans ces conditions-là que nous allons réellement désenclaver la province de Maïndoma. Voilà, merci. Merci beaucoup. Jean-Claude Longo. C'est Jean-Claude Nongo. Et Nongo. Oui, je sais. Voilà. J'avais voilà, martyrisé mon nom. Voilà, Jean-Claude Nongo. Oui. Voilà. Monsieur on s'amende par rapport à ça. Bien sûr. Voilà. Monsieur David, moi, je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion d'éclairer l'opinion. Et j'invite les élus nationaux de Maïndombe de travailler dans l'unité, de laisser les querelles intestines qui ne nous mènent en rien. Pour le développement des Kiri, nous saluons et nous épouserons toutes les bonnes initiatives qui iront dans ce sens-là. Merci, merci beaucoup, Monsieur Nongo. Je pense que le message est passé. Tout de suite, notre dernier invité, c'est un député national, André. André Tamboué, pour parler ce que le FCC a-t-il cautionné l'investiture du gouvernement Samuel Lukonde. Focus sur le Congo central. Proche de Kinshasa mais loin du développement socio-économique, la province est-elle victime du conflit persistant entre le bas-fleuve et les cataractes avec le barrage d'Inga, la sucrière du Kwilungongo, le Silou, Simco, Sinat, la Medima, le port de Matadi, celui de Boma et de Banana, l'Onatra et les entreprises pétrolières de Mwanda, toutes ces ressources qu'ont-elles données au Congo central? De César Nsaditumba, en passant par Machimbacha, Jacques Mbadou, Déon Koussou. À Toumatoubouana, qui a fait quoi pour la province du Congo central. Focus de ce dimanche s'interrogera aussi sur l'alliance de Bakongo avec les grands notables religieux, politiques, ainsi que des opérateurs économiques, respectivement Simon Kimbangu, Kasavubu, Kisombe, Ledia, Mwanda Semi, Matusila, Jean-Claude Vuemba, Antoine Gonda et Mukoko Samba. Quelles sont véritablement leurs contributions à l'essor de cette province proche de la capitale Kinshasa? Pourquoi donc ce paradoxe? Comment le Congo central peut-il être économiquement riche, mais avec une population pauvre, alors que la province dispose pratiquement de tous les atouts nécessaires pour son développement intégral? En définitive, qui va pouvoir délivrer cette province de sa précarité? Des grandes questions pour plusieurs intervenants à suivre ce dimanche de 14h à 16h dans Focus, émission culte présentée par Jean-Marie Kassamba. Pour participer à l'émission, composez le plus 243 81 066 34 31. Un rendez-vous à ne pas manquer. Gouvernement Sama Lukonde, il a été investi. Lors de cette investiture, 410 députés sur 412 ont investi ce gouvernement. Est-ce un plébiscite? Le FCC était présent. Est-ce que le FCC a-t-il cautionné cette investiture? Pour en parler, le député national André Tamboué. Bienvenue. Merci, Monsieur David. Voilà, vous êtes du PPRD. Vous aviez investi le gouvernement Sama Lukonde, pour quelle raison? Nous ne nous sommes pas opposés à l'investiture du gouvernement Sama Lukonde,
Mais nous n'avons pas investi le gouvernement Sama Lukonde. Il faut bien. Pourquoi nuancer. Parce que vous êtes senti en position de faiblesse. Non. Par contre, c'est parce que nous avons voulu redorer l'image de notre démocratie qui est en train d'être éternée depuis plus de 6 mois maintenant. Toutes les institutions sont en léthargie totale. Nous n'avons pas voulu apparaître comme les gens dans une démagogie politique. On voulait présenter le FCC comme étant la machine de blocage de l'action développementale de ce pays. Nous n'avons pas devenu ou imposé à être une opposition. Nous avons pris le statut d'un acteur républicain. Et nous avons évité effectivement que nous soyons doigtés comme étant le véritable blocage du développement de la machine politique dans ce pays. Nous nous sommes abstenus de créer des conditions de non-investiture de l'actuelle équipe gouvernementale. Mais là vous ne jouez pas bien votre rôle en tant qu'opposant. Non, On aurait dû voir certaines remarques formulées par vous, le FCC, comme par exemple la précipitation avec laquelle c'est fait cette investiture. L'on sait très bien, vous connaissez très bien, il faut qu'on donne 48 heures au Premier ministre de répondre, ce qui n'a pas été fait. Et oui, vous aviez accepté. Mais c'est justement, en réalité, nous n'avions pas la police du débat à l'Assemblée, à l'hémicycle. Ce qu'il y a eu, c'est que nous, il ne faut pas suivre ce qui se dit sur les chiffres de 410, c'est du mensonge, ça s'appelle de l'hyperbole politique. Déjà, au moment où se produisait le vote, moi, je me retrouvais dans les installations, ça a été avec 5 députés. Et comme vous savez bien, dans la salle, là, il y avait, le président l'a annoncé, 412 signataires. Or, sur les 412, au moment du vote, au moins 50 députés étaient déjà dehors. Étaient déjà sortis de l'hémicycle. Nous étions envoyés par un tas de badauds et d'autres concitoyens qui voulaient effectivement assister au débat, mais nous n'avons pas eu une comptabilité exhaustive et même rassurante, fiable dans ce que vous avez entendu. Parce que moi, je vous dis, je n'ai pas voté pour le gouvernement. On m'a comptabilisé comme étant quelqu'un. Parce qu'au moment où j'ai voté, moi, je n'étais pas là. Hein. Mais j'étais dans l'enceinte parce que j'étais dans les installations. Donc, ça s'appelle de l'hyperbole. C'est du dysménisme parlementaire. Il ne faut pas qu'on suive trop le langage de communication de politique. Ce qui est important, c'est qu'il faut saluer l'action du FCC qui a évité, comme l'étaient les autres partis lorsqu'ils étaient en opposition, de créer de la débandade communicationnelle inutile. Lorsqu'on sait qu'il y a une majorité quelque part et que l'actuelle équipe venait de cette majorité-là, qu'elle soit archaïque et même mécanique, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ceux qui disaient que c'est le FCC qui bloque le pays, ceux qui disaient que c'est Kabila qui ne veut pas de telle chose, qu'ils soient en face de leurs responsabilités maintenant. Ils ont maintenant tout. Maintenant qu'ils amènent les développements chez moi à Katakokombe, qu'ils amènent les développements dans Mosankuru, à Maïndombe, comme on a entendu tout à l'heure. Ici au Bas-Congo, vous voyez ce qui se passe. À Kinshasa, sur place, chez moi, à Matete, il n'y a plus rien comme infrastructure routière. À Matete. Nous voulons voir ce développement-là venir. Et non, nous ne pouvons pas nous comporter dans l'hémicycle là comme des gens violents qui détruisent les lutrins ou les parlementaires utilisent pour parler. Et après, ils ne construisent pas. Mais c'est vous aussi du FCC qui détruisez les lutrins. On a vu la barbarie avec laquelle certains députés sont lancés. Non, monsieur David, vous êtes crédible, fait éviter de mentir au peuple congolais. Ceux qui l'ont détruit, il y a des images, des vidéos qui ont parcouru le monde entier, qui savent qui ont détruit l'infrastructure immobilière de l'Assemblée nationale. Ils sont connus. Vous avez vu lorsqu'il y avait ces chambardements mécanique et lorsqu'il était en train d'être construit, il y a des gens qui ont pris, se sont donné la licence de détruire toute l'infrastructure mobilière de notre hémicycle. Mais ce n'est pas ça le débat. Aujourd'hui, le débat, c'est que l'FCC a montré le vrai visage républicain qu'il incarne depuis toujours. Et Joseph Kabila peut être fier aujourd'hui de retrouver parmi les gens qui disaient qu'il n'avait pas 15, il peut déjà compter effectivement ce qui lui reste, ce qu'ils peuvent trouver dans Kabila, non pas la personne, mais l'idée, le concept républicain qu'il a mené, l'infrastructure républicaine qu'il a laissée dans ce pays en termes d'institutions et que nous ne savons plus bien le gérer. Nous avons eu un circuitage du débat démocratique à l'Assemblée nationale, mais qui n'est pas le fait du FCC, parce que le FCC a assisté
impuissant devant la machine politique de la débandade de notre esprit républicain. Voilà. Félix Kabangé-Numbi a dénoncé ou l'a relevé certaines failles contenues dans le programme d'action du gouvernement. On a vu la signature du président de la République. Pourquoi vous n'avez pas attendu à ce que ce soit au niveau de la plénière pour que vous releviez cela et qu'on montre que vous faites vraiment votre travail? Moi, personnellement, j'étais sollicitant de la parole pour relever tout ça. Parce que j'estimais que le fascicule qui nous était présenté comme étant le programme du gouvernement n'en était pas un, parce que c'était vraiment un amas des extraits des discours du chef de l'État accompagné de quelques traits du programme de Ilunga Ilukamba qu'on a amalgamé dans une fascicule et qu'on a présenté comme étant un programme. Mais de toute façon, on ne nous a pas permis de tout dire. On ne nous a pas permis d'expliciter. Monsanto, dans son ensemble, ne figure pas dans cette fascicule, ni aligné comme une province nouvellement créée et qui a besoin de toutes les infrastructures de base, comme vous avez entendu tout à l'heure, Maïnombe. Donc, j'avais beaucoup de choses à dire. Lumumbaville est totalement ravagée par le ravin. Donc, passez l'expression. Je devrais le dénoncer et recueillir de nouveaux gouvernements l'implication réelle pour que la province de Lumumba soit le centre d'intérêt dans cette RDC avec 60 ans d'indépendance. Il devrait honorer les martyrs, ces premiers martyrs de l'indépendance que sont Patrice Emery Lumumba et Joseph Okito. Donc je devrais prendre la parole pour dénoncer tout ça et décrier même le caractère volatile et oisif de certaines des actions qui ont été proposées par le gouvernement. Mais hélas, nous avons dans cette équipe des carrures bien placées, nous avons des jeunes aussi dynamiques. Nous voulons voir qu'ils passent à l'action, on n'est plus à l'étape du discours. L'FCC ne bloque plus, Kabila n'est plus un obstacle. Faites maintenant transformer le Congo qui devient un paradis, comme on a parlé de l'Allemagne. On veut voir l'Allemagne désormais. Mmh. C'est ce que nous attendons et cela, c'est le 100 jours. Alors, les 36 milliards de dollars, les 36 milliards pour réaliser... C'est de la démagogie. Démagogie. C'est de la pure démagogie. Ça ne peut pas se faire. Parce qu'il ne restait plus que 2 ans. Mmh. Dans les 2 ans, nous sommes aujourd'hui. Mmh. Le Premier ministre s'est contredit parce qu'il lui-même parlait des collectifs budgétaires. C'est-à-dire qu'il a constaté que le budget qui a été voté initialement pour cet exercice ne sera pas atteint. Donc, il ne lui reste plus qu'une année pour atteindre. Comment en une année il peut mobiliser 36 milliards? Impossible, parce que cette année, déjà, nous allons vivre une loi de rectification de la loi des finances. Donc, visiblement, c'est de la démagogie. Et 36 Mais milliards, pour nous, oui. Nous le mettons devant le défi. Aujourd'hui, ils se sont appelés Union sacrée, que ça ne devienne pas Union sucrée ou après Union saleté. Nous voulons vraiment que des actions concrètes passent, que le social change et que les infrastructures de ces pays qui manquaient soient construites. Avec, nous n'avons jamais vu l'Amérique construire même pas une hutte dans ce pays. Mais on s'est fait l'ami ou l'esclave des Américains avec un ambassadeur qui se promène partout en toute liberté et qui veut tout gérer dans ce pays. Nous voulons voir que cette Amérique vienne maintenant avec un gouvernement de celui qui les a appuyés, qu'ils amènent de moyens conséquents pour ne fût-ce que bâtir une seule route dans ce pays, surtout les routes des desserts agricoles, qui manquent cruellement chez nous. Voilà. Et est-ce que vous vous sentez en toute aisance de pouvoir exercer l'opposition dans cette condition? Non. Nous allons forcer, utilisant l'atout qui nous a été laissé par le gouvernement, le régime de Joseph Kabila, c'est la Constitution. La Constitution est la loi maîtresse qui guide une république. À défaut d'accepter la tendance à une république impériale qui veut nous être imposée, nous allons tout faire manipuler les astuces de cette Constitution pour remettre les pays sur le chemin de la démocratie, sur le chemin de la construction républicaine que nous avons entamée depuis 2006. Et donc, nous allons l'utiliser à bon escient. Nous serons des opposants républicains, au vrai sens du mot, parce que nous nous considérons légalement de la majorité, mais sur les faits, nous sommes dans l'opposition. Et par conséquent, nous allons utiliser tout ce que la loi met à notre disposition comme étant des atouts pour réclamer les intérêts de la population. Tout ce que la loi met à votre disposition, on a vu
On a vu Martin Fayoulou vouloir organiser une marche, alors cette marche a été dispersée. Mais pourquoi c'est ce aussi... qui a fait rire tous les Congolais quand mais on a vu vous le président l'avez pas de la soutenu, République à côté du président Macron en train de condamner la répression des manifestants à N'Djamena, alors que dans son pays, il y a, à la veille de son départ, il y a eu répression. Il n'a pas condamné ça, il n'a pas même eu honte de condamner ce qui s'est passé dans son pays, il condamne ce qui s'est passé à N'Djamena. Pour nous, c'est ce que nous avons appelé l'antipode de la démocratie qui était prêché par ceux qui étaient jadis dans l'opposition, devenus, arrivés au pouvoir, ils deviennent les pires de pouvoiriens, hein, au vrai sens du mot. Voilà. Et, mais Macron a félicité le président Félix Tshisekedi pour les succès engagés au niveau de l'intérieur. Non, faut pas considérer le discours de politique. On est dans un cadre diplomatique. Emmanuel Macron est maniant de la diplomatie. Il sait ses intérêts de la politique étrangère française au Congo maintenant et notamment en Afrique. Le président Félix est allé non pas comme président de la RDC tout simplement, mais comme étant président de l'Union africaine, donc appelé à gérer la crise au Tchad, où la France est impliquée directement, il ne pouvait pas les blesser. Moi, on connaît ce qu'on appelle l'ironie. Ah bon, et pour vous, c'est l'ironie. C'est que c'est passé. Pur et simple. Mais non, et pourquoi vous ne soutenez pas la lutte de Martin Fayoulou? Parce que ça va de pair avec ce que vous êtes en train de mener. Et ça vous gêne en quoi, aujourd'hui, de vous rallier à Fayoulou, de faire un front commun pour mener une opposition forte? L'option de se rallier à tel ou tel leader n'est pas sur la table pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que lorsque Fayoulou, comme les gens qui sont au pouvoir, défendent l'intérêt de la population, nous serons à leur côté. Ici, c'est défendre la population. Mais lorsqu'on devient sur les intérêts politiques et individuels, c'est à ce moment-là que nous départageons. Mais lorsque nous luttons ensemble pour que la voix du peuple soit entendue. Par exemple, le samedi dernier, Martin Fayoulou a requis une manifestation publique pour dénoncer l'insécurité à l'est du pays. Il était honteux et humiliant pour notre République de réprimer une telle manifestation. D'ailleurs, je pense que la cote démocratique de ces pays a été revue à la baisse partout dans le monde. Donc, on ne pouvait pas réprimer une marche. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train d'imiter, de faire ce que le FCC a fait dans les passés. Non, ici nous sommes dans ce que la Constitution reconnaît à chaque citoyen. C'est de manifester pour dénoncer l'attitude ou l'indifférence des pouvoirs publics. Donc chaque citoyen est libre de concevoir une dénonciation et d'utiliser les voies légales pour la faire parvenir aux décideurs que sont le pouvoir public. Alors aujourd'hui, une fois que vous reprenez le pouvoir, qu'est-ce que vous comptez arranger? Si nous reprenons le pouvoir, nous allons remettre le pays sur la voie à laquelle elle a été déjà engagée, celle de la démocratie réelle et de la construction républicaine. Nous avons assisté depuis un certain temps au déclin de la République. Ça doit s'arrêter. Ce pays a connu des morts. Nous avons traversé une histoire nébuleuse avec la guerre d'agression et les mouvements et les guerres de libération. Il nous faut désormais prendre l'élan de la pacification et de la consolidation de la démocratie. Nous ne devons pas accepter que l'Assemblée nationale, comme le Sénat, devienne des caisses de résonance du pouvoir exécutif. C'est inadmissible qu'au 21e siècle, l'État moderne congolais ait un Parlement qui ne vaut que ce que lui dit quelqu'un. C'est impossible. Donc nous allons tout faire pour que l'élan démocratique que nous avons entrepris pendant un certain temps et qui a connu un certain... Nous avons considéré que l'alternance pacifique aurait dû être cet atout à la consolidation de la démocratie et de la construction républicaine. En tout cas, à l'heure qu'il est, il n'est plus question. Il nous faut, une fois au pouvoir, revenir sur ces chemins, sur ces rails et permettre au pays d'atteindre un niveau de démocratie qu'il n'avait pas auparavant. Merci, merci beaucoup. Monsieur le député national André Tamboué. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 tout à l'heure. La grande édition des Gaïtan Koubabourans et Chidiereguere Kabouya. Il sera 12h, 12h à New York, et 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa.